2561 courageux sur la ligne de départ à Chamonix pour l'une des courses les plus dures de la planète, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Au programme 170 km et 10 000 mètres de dénivelé sur les chemins boueux de France, d'Italie et de Suisse autour du toit de l'Europe. Le grand favori, l'Espagnol Kilian Jornet, a été contraint à l'abandon à cause d'une allergie après une piqûre d'abeille. Cette 16e édition de l'UTMB a été marquée par des conditions extrêmes avec du froid, de la pluie et même de la neige sur certaines portions du parcours. Le Français Xavier Thévenard a signé sa 3e victoire dans l'épreuve, record égalé, en revenant à Chamonix après 20h et 44 minutes passées en montagne. Chez les dames, la victoire est revenue à l'Italienne Francesca Canepa en un peu plus de 26 heures.